j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vous parle du projet de naissance. Le projet de naissance, quid, Kezako, me direz-vous. Si c'est votre première grossesse, peut-être que vous avez une super sage-femme qui vous en a parlé. Ou si c'est votre deuxième, vous avez, comme c'est mon cas d'ailleurs, découvert un peu ce truc et vous vous êtes dit « mais il faut absolument que j'en rédige un ». En fait, un projet de naissance, qu'est-ce que c'est ? C'est un document rédigé, de préférence tapé à l'ordinateur et imprimé et inséré dans votre dossier de grossesse et qui stipule absolument tout ce que vous voulez ou ne voulez pas concernant le jour de votre accouchement. C'est un document qui est assez empirique, il n'existe pas de modèle, il n'existe pas de charte ou de document vraiment pré-rempli, en tout cas, qui vous permettent d'avoir une base. En fait, le projet de naissance, c'est vraiment ce que vous, vous voulez intrinsèquement entre vous-même, votre personne et votre moi profond pour le moment où vous allez accoucher. C'est un des moments les plus intimes de votre vie, mais vous allez le partager avec toute une équipe médicale et tout un tas de gens qui seront dans la même pièce que vous et le père de votre enfant. Et je vous assure que ça peut être rassurant de cadrer un peu le truc. Pour ma part, pour ma première grossesse, ma sage-femme m'en avait pas du tout parlé. J'ai un peu découvert le truc sur le tard pour ma deuxième grossesse, en fait. Donc, j'ai commencé à y réfléchir un peu plus tôt. Mais c'est vrai que si on ne vous en parle pas et que vous n'avez jamais eu d'enfant, c'est pas forcément évident. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Eh bien, c'est ce que je vous disais, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Ça peut aller, je ne sais pas, du nombre de personnes qui vont être présentes dans la salle. Est-ce que vous souhaitez que le papa soit là ou pas? Est-ce que vous voulez de la musique ou pas? Est-ce que vous voulez accoucher dans une maison de naissance? Est-ce que vous voulez accoucher dans un hôpital? Est-ce que vous voulez accoucher chez vous? Est-ce que vous avez envie qu'on vous dise ce que vous devez faire? Ou est-ce que vous avez envie d'être complètement maîtresse de votre accouchement? Tout ça, ce sont des choses auxquelles il faut que vous réfléchissiez et que vous couchiez sur papier puisque comme ça, l'équipe médicale qui s'occupera de vous le jour J, eh bien, le consultera et sera un petit peu obligée de le suivre. Je reconnais que c'est un petit peu plus facile de rédiger un projet de naissance quand on a déjà accouché puisque ça permet d'avoir un point de comparaison et de savoir de quoi on parle. C'est vrai que pour un premier accouchement, c'est un peu difficile, étant donné qu'on ne l'a jamais vécu, de savoir ce qu'on attend et comment on a envie que ça se passe. Maintenant, vous vous connaissez, vous savez quel est votre caractère, vous savez si vous êtes du genre à avaler des couleuvres, à faire ce qu'on vous dit ou à vouloir prendre les choses en main, et bien dans ces cas-là, essayez aussi de rédiger votre projet de naissance par rapport à votre personnalité. À qui faut-il en parler? Eh bien, soit à la sage-femme qui va vous accompagner, soit pour toute votre grossesse, soit dans votre préparation à l'accouchement, éventuellement à votre gynécologue, mais je crois que ça ne les passionne pas tant que ça. Il faut bien sûr en parler avec le papa, si par exemple vous souhaitez qu'il pratique le pot à pot à votre place avec le bébé ou toute autre chose. C'est pas mal de lui en toucher deux mots. Et puis, de fait, le jour où vous arrivez pour accoucher, dire « voilà, mon projet de naissance est dans mon dossier de grossesse, merci d'en prendre connaissance ». Tout ça, c'est très théorique. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous lire mon projet de naissance que j'ai rédigé. Je pensais ajouter des choses et au final, les échanges que j'ai eus avec le personnel de la clinique dans laquelle je vais accoucher font que beaucoup de mes craintes ou de mes attentes ont pu être levées ou ont trouvé des réponses par rapport à la manière dont eux abordent les accouchements. Mais ce sont quand même des choses que je vais préciser, que je vais noter pour être sûre que ça se passe vraiment comme je le souhaite. Donc, je me suis un petit peu basée pour le rédiger sur l'expérience de mon premier accouchement qui s'était très bien passé, objectivement. Ça avait été un accouchement vraiment simple, sans complications. J'avais été accompagnée par un personnel médical très cool. Le papa était présent. Enfin, ça s'était bien passé. Mais avec le recul, il y avait des petites choses qui m'avaient déplu et que j'aurais souhaité corriger. Donc, c'est en ça que j'ai écrit mon projet de naissance. Donc, typiquement, sur le premier point, pour mon premier accouchement, j'avais eu une péridurale trop dosée et je ne sentais pas mon bébé avancer et j'avais eu l'impression de rater un petit peu certaines étapes de mon accouchement. Donc ça, ça a été vraiment le premier point
de mon projet de naissance, j'ai mis « Je voudrais éviter la péridurale et être accompagnée par la sage-femme et mon conjoint dans la gestion de la douleur ». Oui, aussi parce que avec mon compagnon, pendant mon premier accouchement, on avait été un peu, comme ça se passait bien et que je ne hurlais pas de douleur et que je ne me plaignais pas trop, on avait été un petit peu abandonné par la sage-femme qui passait vaguement toutes les heures. Ça va, super. Voilà. Non, j'aurais bien aimé que quelqu'un soit avec moi pour me dire comment gérer mes contractions et tout, parce que quand j'ai senti que j'arrivais plus à gérer, j'ai sonné pour la péridurale, alors que je pense que j'aurais pu tenir un petit peu plus longtemps. Là, cette fois-ci, j'ai mis que j'aimerais éviter la péridurale. Maintenant, si je me rends compte que j'arrive pas à gérer la douleur, je ne ferme pas la porte et je pense que je la prendrai. J'ai mis que je souhaitais accoucher dans un environnement positif et bienveillant, donc de préférence avec pas de gens enragés autour de moi. Je souhaite disposer d'un ballon, d'un coussin d'allaitement, de ma musique, parce que j'avais amené, c'était ma sage-femme qui me l'avait conseillé à l'époque, on s'était fait une grosse playlist spéciale accouchement et pendant toute la durée du travail, on avait la tablette qui tournait avec un petit haut-parleur et j'avais de la musique douce, sympa, j'ai accouché en musique, c'était super agréable, j'avais adoré. Là, typiquement, à la maternité, ils ont des ballons, ils ont des corpomèdes, je pense que je viendrai quand même avec mon coussin d'allaitement pour le côté un peu doudou et puis avoir mon odeur. J'aurais aimé avoir une baignoire, malheureusement il n'y en a pas dans la clinique où je vais accoucher. Ensuite, je voudrais que bébé soit immédiatement en peau à peau avec moi ou le papa si je ne suis pas en mesure de le faire. Sait-on jamais, je vais avoir une césarienne d'urgence. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer quand on accouche, même si la première fois ça s'est bien passé, la deuxième fois ça peut se passer tout à fait différemment. Donc, dans la mesure où éventuellement je dois subir une césarienne d'urgence, eh bien je souhaite que le bébé soit en peau à peau tout de suite avec le papa. Je souhaite donner le sein dès les premiers signes d'éveil sans attendre la pesée. Ça encore une fois, ça date de ma première expérience où on avait refusé que je mette mon bébé au sein tout de suite alors que très clairement elle en avait envie slash besoin slash grande nécessité. Et je suis sûre que c'est à cause de ça que mon allaitement a eu du mal à démarrer. La sage-femme que je vois en ce moment me confirme qu'elle, elle pense la même chose et qu'ici, il n'y a aucun problème, ils s'en foutent que tu donnes le sein à ton bébé avant qu'il soit pesé. Elle m'a dit, parce que de toute façon, quand bien même vous lui donnez le sein avant qu'on le pèse, il va prendre quoi? Hein? Il ne va pas prendre 500 grammes, soyons sérieux. Et enfin, dernier point, j'ai mis, je souhaite être informée de toute complication ou difficulté et refuse que l'équipe médicale décide à ma place. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas un projet de naissance fou, c'est pas très compliqué, mais j'ai mis ce que j'attendais, ce que je souhaitais. Alors c'est vrai que je me suis encore une fois beaucoup basée sur la première expérience, ma première expérience d'accouchement. Maintenant vous, vous pouvez tout à fait dire par exemple, je sais pas, si vous êtes sûr de ne pas vouloir la péridurale, mettez-le dans votre projet de naissance. Et dites que c'est votre premier accouchement, vous avez envie d'avoir quelqu'un qui soit présent avec vous pour vous accompagner dans la gestion de la douleur. Ok, si vous ne voulez surtout pas vivre ça, eh bien vous pouvez demander à ce qu'on vous pose la péridurale très tôt. Toutes ces choses-là, vous pouvez les placer dans votre projet de naissance. Je vous invite à vous documenter aussi, à consulter des chaînes YouTube comme la mienne ou des sites internet de référence, d'aller lire Françoise, Laurence Pernoud, de regarder un petit peu ce qu'a fait Bernadette de Gasquet, etc. Et ça vous permettra d'avoir une idée de comment se passe un accouchement si vous n'en avez jamais vécu et du coup de rédiger votre projet de naissance en conséquence. J'espère que cette vidéo sur le projet de naissance aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres astuces, d'autres idées, d'autres précisions à apporter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Encore une fois, moi je parle depuis le spectre de mon expérience. Je ne suis pas une professionnelle, donc n'hésitez pas à partager vos sentiments en commentaire. Est-ce que vous avez rédigé un projet de naissance? Est-ce que vous ne l'avez pas fait? Est-ce que vous le regrettez ou pas? Tout ça, ça m'intéresse. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour n'en manquer absolument aucune. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye.